lavé les mains? Oui. Touche pas avec tes mains. On dirait la maman et son fils. Tu t'es lavé les mains? Attends, tu auras toutes les vidéos sur YouTube, c'est la torture. YouTube. Qu'est-ce que t'as fait, Nicolas? T'as pas mis une vidéo de nous sur YouTube? Ah non, non, mais tourne ça. Vous êtes trop... Ah, c'est toi qui avais déjà fait une vidéo. Tu l'as mis sur YouTube? Non, je les garde pour moi, c'est pour rigoler. Mais peut-être qu'un jour je les mettrai sur YouTube. C'est vrai, les mots, ça, c'est... Ça, mes potes, c'est tout. Regarde, ouais. Mes collègues, les gogoles, les... Pas tout. Grave. Grave, là ils sont en train de faire du thé là. En fait, des fois on est les clowns de la des soirées d'Anissa en fait. Grave. Vous êtes mes acteurs, attends. Oh. Vous êtes des acteurs. Ouais. Mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va faire fortune. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais. Attends, un acteur, il fait ça pour le plaisir. Je me dévoue, je vais goûter. Il dirait du pipi. Non, mais laisse appuyer. Alors? C'est chaud. C'est chaud, bah oui, c'est chaud. Ah non, je suis obligée de... Non, tu veux pas... On va attendre que ça refroidisse. Ouais, ouais, c'est genre... Il y a plein d'eau par terre. Oh là. Attention, Nicolas s'apprête à boire. Ah si, c'est même trop sucré. Oh ouais, j'ai rien mis dessus. T'as mis quoi comme... Goûte et dis-moi. Moi, je trouve ça très sucré. Il est en panique là, Nicolas. C'est bon, ne sois pas paniqué, c'est pas grave. En deux secondes, on a pourri la salle. Putain, c'est moi qui fais le ménage là. C'est pour ça. J'en étais sûre que vous alliez profiter du fait que ce soit moi qui bois. Je m'en fous, je fais le ménage comme je peux. Alors, goûtons. Un gobelet. Ça va débarrasser la table. Ça va, il est bon. Bah, j'ai jamais dit qu'il était pas bon. On t'a dit, il est trop sucré, t'as fait une tête de malade. On aurait dit que le truc, c'était... Je serais peut-être mort ou malade demain, mais bon. Non, pas toi. Hein. Ça ressemble un peu à la... Nice. À la bière verte. C'est quoi, c'est quoi le goût, en fait? Alors, Nicolas? C'est bon. Voilà, mais il faut que tu saches. Tisane digestion. Ah, c'est ce qu'il nous faut. Anis, c'est celui d'à côté que j'ai pris. Hein. Donc, je sais pas si c'est le même. Mais Nicolas, faut que tu saches. Hein. Relaxant. Oh, oh, attends, vous allez dormir, ça y est. Moi, je t'avais dit que c'était de la verveine. Ça mis celle-là? Ouais, j'ai mis celle-là, oui. Anti-stress, apaisant. Depuis tout à l'heure, vous êtes trop vénère et tout. Ah, attention, elle est sûre. Attends, je crois qu'on va préparer un gobelet pour Anissa. On va planer. Oh, c'est grave. Tu planes. Tu bah, il n'y a pas marqué, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais les plantes qu'il y a dedans. Mélange de plantes médicinales, de fleurs, de fruits et de... Tu sais qu'on a ce produit en bas. Il suffit de regarder sur la boîte correspond à celui-là et on aura les ingrédients. J'aurais dû faire réalisatrice, moi. Ouais. C'est un truc de fou. J'ai loupé ma vocation, ça fait chier. Je sais pas que ça rajoute un petit peu réel. Non, mais je suis surstressée là. C'est toi qui me stresses. Arrête, ça va couler. Ah, je sais. Prends-en un deuxième verre. Ta gueule. Voilà. Et moi, quand je te dis tais-toi, je me fais insulter tous les noms. Je t'ai pas insulté, Nicolas. Enfin, et franchement, vous faites de trop bons acteurs, c'est abusé. Non, je t'ai pas limite. On est bons acteurs, c'est vrai qu'on est bons acteurs, c'est qu'on est réaliste. Ouais, c'est bien. Les acteurs. Ah, attention! J'ai retenu. Exactement. J'aurais dit stop, hein, si tu me l'avais dit. Bien sûr. Et on va pas allez. Tu me fais ça bien, hein? Ouais, c'est donne-moi deux sachets que je puisse montrer aux gens. Sachet quoi? Mais non, le thé, il est en bas! Tu montes la boîte? Aussi. Allez, on va passer en bas. On se fatigue, hein? Pourquoi tu veux ouvrir un paquet? Mais tu ouvres un paquet? Je vais ouvrir deux sachets. Mais t'as quoi, t'as la boîte? Montrer aux gens, ça va avoir une boîte dans la main. Mais Nicolas, fais pas n'importe quoi, t'ouvres pas une boîte. C'est trop nul.